Salut les petits potes, très content de vous retrouver pour l'échappée à votre émission cyclisme sur le Tour de France. Avant chaque étape, on arrive pas au bout, mais presque. Dernière danse, dernière étape de montagne à vivre avec toi. Robin, comment ça va? Ça va très bien. La plus belle étape peut-être. Alors, je sais que Pogacar, la plus belle étape. Pogacar, il a dit que c'était hier la plus belle étape, mais moi j'aime beaucoup celle d'aujourd'hui. Bah forcément, c'était la plus belle pour lui, puisqu'il a gagné le boss. On en parlera justement, le boss Pogacar qui a réglé ça face à ses concurrents au général, à savoir Vingegaard et Carapaz. Très belle bataille dans le final, dans le porté justement hier. On reviendra sur cette victoire de Tadej Pogacar qui va vraisemblablement remporter ce Tour de France. Ça, ce n'est pas une surprise, c'est un secret de Polichinelle. On reviendra sur la belle performance de Gaudu. On avait espéré une cocoricote avec un podium d'un Français. Il a terminé quatrième. Il a presque rivalisé justement avec les trois premiers au général, David Gaudu. Très belle surprise, très belle fin plutôt de Tour de France après un départ un peu compliqué pour lui. Il avait été malade. Il finit avec du feu dans les pattes. Peut-il réitérer cette performance aujourd'hui? Pourquoi pas un podium, voire mieux, de David Gaudu. On en parlera. Et puis justement, qui pour cette dernière danse, qui va gagner cette étape où on passera notamment par le Tourmalet. C'est pour ça que j'ai mis en valeur justement le Tourmalet avant de finir à Luzerdiden en altitude. Encore une belle arrivée au sommet. Ça promet du spectacle entre les favoris. On verra les cotes avec toi. Et puis on finira avec le JDE, bien entendu. Romain, toujours là, qui affronte Flo Flo, toujours là également. Flo Flo qui va peut-être finir le Tour de France avec nous. Non, ça continue. J'espère que non. Non, ça s'est joué à 3 points près. Ouais. Voilà, on verra en détail les scores tout à l'heure. C'était très serré. Et on a été tous les deux payés. T'étais un peu déçu. Ça veut dire qu'on n'a pas été trop mauvais. C'est vrai. Mais ouais, ça se joue à très peu et on en parlera tout à l'heure, mais le choix stratégique différent qu'on a fait a payé pour Flo Flo. Ça s'est joué à 3 points, c'était serré. Avant de commencer, un petit freebet, ça c'est pour vous, sur Winamax TV. Si vous êtes sur YouTube ou Twitch, je vous invite à basculer sur winamax.tv pour répondre à cette question. On vous demande combien d'étapes du Tour de France Pogacar compte-t-il à son palmarès, son armoire à trophées, combien d'étapes du Tour de France a-t-il dedans Tadej Pogacar, qui a gagné avec le maillot jaune hier. Belle performance, on sait que c'est jamais facile de gagner avec le maillot jaune. Ouais, puis c'est la première fois qu'il gagne avec le maillot jaune. C'est la première fois aussi qu'il gagne sur ce qui est l'arrivée la plus haute du Tour de France. Bon, alors il a vécu que deux Tours de France, donc forcément... Dans le milieu. On peut lui laisser un peu de temps, mais voilà, quand tu gagnes l'étape qui est la plus haute du Tour, une arrivée à plus de 2200 mètres, ça compte et ça veut dire que t'es le meilleur grimpeur des favoris. Allez, avant de démarrer, je vous invite également à liker cette émission sur YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça nous fait plaisir à chaque fois pour le référencement. Et puis n'hésitez pas à commenter également cette émission en replay. Si vous la regardez, on peut démarrer. On va revenir sur ce qui s'est passé hier. Ça se passe dans demi-tour. Et on le disait, première victoire avec le maillot jaune, cinquième victoire d'étape à son palmarès. Je réponds à la question, ça c'est pour ceux qui veulent gagner le free bet. Cinquième victoire pour Pogacar sur le Tour de France. Peut-être pas la plus belle, mais quand même une très belle victoire, dans le sens où c'était très serré ce final. Je sais pas si comme moi tu t'es régalé justement dans cette ascension du col du Portet. Fallait pas louper le départ avec ces trois favoris au général, Vingegaard, Carapaz et justement Pogacar, qui se sont regardés pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, toute l'ascension. Finalement, on se disait, mais qui va gagner, qui va faiblir? Et finalement, aucun des trois, notamment Carapaz qui a bluffé. Actor Studio, Carapaz, il nous a fait quoi là? Ça m'a énervé presque. Il a fait un joli coup de bluff. Oh, moi, ça m'a pas énervé. Il a joué sa carte comme il pouvait. Il savait que Pogacar notamment était très fort et que voilà, pour aller gagner cette étape, il fallait être malin. Il a essayé, ça a pas réussi. Mais moi, je lui en veux pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu une belle bagarre dans les 8 derniers kilomètres. Pogacar qui a lancé la première attaque. Il n'était pas dans la position de celui qui avait besoin d'attaquer, mais c'est lui qui a lancé quand même. J'ai trouvé ça bien. Et puis voilà, niveau panache, on a eu ce qu'on voulait. On a eu Vingegaard qui s'est donné à fond pour faire sauter notamment Uran qui était en train de perdre du temps. Carapaz qui a essayé de mettre une mine en sous-main dans le dernier kilomètre. Comment tu l'as vécu, toi, cette ascension justement dans le col du Portet? Si comme moi, voilà, j'étais devant les grands écrans, là, j'avais misé sur Pogacar, du coup, hein, comme on avait dit. Donc moi, j'étais pour Pogacar, bien entendu, j'étais là à le soutenir. Au jeu des faciès, souvent, j'aime bien ça, quand t'as 3-4 coureurs, comme c'est le cas, là, comme ça, regardez un peu les visages. Carapaz, moi, il m'a bluffé déjà. Carapaz, je me dis, mais il va décrocher. Pourquoi il décroche pas? Je comprends pas. C'est... On le voyait et tout. Il était derrière, accroché. Il prenait pas les relais. Et on voyait justement Pogacar et Vingegaard qui le regardaient, genre, hé, copain, là,
Tu vas nous relayer un peu, tu veux casser les couilles. Futé. Moi, je pense que ça a été le plus futé parce que... C'est incroyable ce coup qu'il a fait. Premièrement, il y a Vingegaard qui était en train de rouler à bloc et qui faisait en fait le jeu de Carapaz, c'est-à-dire en distance sans Rigoberto Urán. Donc Carapaz, il était en train de gagner quoi qu'il arrive quelque chose dans cette histoire. Et ensuite, il leur a fait croire qu'il n'était pas bien. Alors à l'arrivée, Pogacar et Vingegaard ont dit « on savait qu'il bluffait ». Si tu savais qu'il bluffait, à la place de Vingegaard, je ne l'aurais pas emmené comme ça dans un fauteuil jusqu'à la fin. Finalement, il s'en sort bien. Mais si je suis au courant, si je suis persuadé que Carapaz, il bluffe, bah, je lui mets une petite attaque, je regarde s'il suit, et puis s'il suit, je lui dis « Coco, si tu es capable de suivre l'attaque, tu vas rouler ». Finalement, Vingegaard, il ne l'a pas fait. Alors peut-être qu'il s'est fait avoir l'expérience aussi. On rappelle que Pogacar, il est tout jeune. Vingegaard, il n'est pas beaucoup plus vieux, il a 24 ans. Et Carapaz, lui, c'est un coureur beaucoup plus expérimenté qui est capable de peut-être plus jouer avec ses adversaires. PQP que dit, ne grimaçait pas, c'était sa façon de sourire. Moi, quand je suis aux toilettes, j'ai la même façon de sourire. Alors, c'est, franchement, c'est la même tronche quand je suis aux chiottes. Hein. Peut-être qu'il se marrait pour pouvoir les détacher. C'est quand même une drôle de façon de sourire, Carapaz. Ouais, peut-être qu'il se marrait parce qu'Urán était décroché et que ça faisait... Il était content. Vingegaard, lui, franchement, c'était limite mon favori. Quand je l'ai vu, j'ai eu très peur. Je me suis dit, putain, Pogacar, il a l'air bien. Pogacar, impassible. J'ai un petit doute aussi. Vingegaard, je trouvais assez serein également au niveau du faciès. Je me suis dit, finalement, ça va peut-être être pour lui. Ouais, après, il était quand même bien à l'œuvre hein, et puis il roulait un peu tout seul parce que justement, il voulait faire le trou sur Urán. Pogacar lui donnait pas un relais, ce qui était logique. Carapaz était dans son bluff. Donc Vingegaard, il était un peu tout seul à rouler. Évidemment, sur des pentes comme ça, c'est pas comme quand tu roules face au vent dans la plaine, mais quand même, il était un peu plus à l'œuvre que les deux autres. Et finalement, il a surtout pensé au classement général, je pense, plus qu'à la victoire d'étape. Il savait que ça allait être compliqué d'aller chercher les deux. Carapaz, lui, à l'inverse, il avait fait le choix de l'étape, mais c'est surtout Pogacar qui avait fait le choix de l'étape. Mmh. Et quand il est sorti quand même dans les 300 derniers mètres, t'as compris qu'il n'y avait pas match, en fait. Qu'il avait gardé ses forces, qu'il s'était économisé, qu'il l'avait joué discret. Il n'avait pas voulu mettre une mine et lâcher tout le monde plus tôt, même s'il a tenté quelques petites accélérations. Mais quand il met la petite attaque sur le sprint... L'attaque finale, elle a fait mal. Hein. L'attaque finale, c'est vrai qu'il a attaqué plein de fois. Il a essayé, t'as dit, hein, il a mis quelques barrels hein, durant cette ascension, sans que ça fonctionne, puisque à chaque fois, Vingegaard et Carapaz le suivaient. Mais la dernière, ça a été fatal, la dernière, là, ouais, dans les derniers mètres. Hein. Il a fait même un écart de plusieurs secondes. Et on l'a vu, 3 et 4 secondes à la fin. Ouais. Donc, alors après, Vingegaard, il roulait depuis un moment. Il s'est fait lâcher sur l'attaque de Carapaz et il revenait de l'arrière. Et Carapaz, il venait de tout donner, je pense, sur son attaque. Donc, ouais, ils étaient sûrement un peu plus cuits que Pogacar. Mais ça veut dire quand même que Pogacar, il était arrivé jusque-là en suivant les deux sans avoir trop puisé dans ses réserves. Donc, clairement, c'est la preuve que Pogacar, c'est le meilleur coureur en montagne de ce Tour de France, après avoir montré qu'il était déjà le meilleur en contre-la-montre à Laval. Donc, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a pas grand-chose à contester là-dessus. Mmh. Il est tellement au-dessus dans tous les domaines que c'est logique qu'il se retrouve avec autant d'avance au classement général. Ouais, le boss qui a parlé, le boss du Tour, Tadej Pogacar, qui va remporter son deuxième Tour de France. Avant cela, dans cette étape, parce que le scénario, ce n'est pas construit comme ça avec cette dernière ascension, il s'est passé des choses. Avant, il y a eu une échappée. Alors, le scénario était parfait pour Pogacar, parce qu'en gros, pour résumer, tu as une échappée de pastèque, j'ai envie de dire, qui, dans le sens où c'était que des coureurs qui étaient incapables de gagner cette étape, dans le sens où il fallait avoir 20 minutes d'avance. Pérez pouvait, je suis méchant. Prix combatif du jour d'ailleurs, Anthony Pérez, il a fait une très belle étape du 14 juillet. Il a mis le maillot bleu, blanc, rouge à l'honneur, dans le sens où c'était le 14 juillet à la fête nationale. On rappelle, hein, on avait boosté la cote, podium. C'était intéressant, même si c'est Gaudu finalement qui a failli prendre ce podium. On y reviendra dans un instant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu cette échappée de coureurs. Je vais pas te citer tous les noms, mais quand je dis qu'ils n'ont aucune chance, c'est pas des coureurs qui peuvent gagner ce genre d'étape. C'était pas l'échappée qu'on attendait. Voilà. Donc à partir de là, l'équipe UAE qui était dans un fauteuil, on les a vus rouler ce qu'il fallait pour garder cet écart avec cette échappée tout de même, parce que c'est vrai que tu l'as dit, des coureurs comme Pérez, tu leur laisses 15 minutes ou plus d'avance, après ils peuvent gagner. Mais voilà, il était dans un fauteuil, Pogacar, finalement. Ouais, ils ont bien géré et l'échappée n'était pas la plus difficile à contrôler parce que ce n'était pas des excellents grimpeurs devant. En fait, on attendait plus une échappée avec les mecs qui jouaient les poids, Quintana, Pouls, Woods. Ça, c'était un peu décevant, ça, je trouve, justement. Bah, en fait, ça aurait été une échappée qui aurait un peu plus mis en difficulté le peloton. Mais je pense que l'échappée s'est formée sur le plat. C'était un peu compliqué pour ces grimpeurs-là de sortir sur le plat. Et ensuite, quand on est arrivé dans l'enchaînement de col, UAE avait déjà la main sur la course. Et puis l'échappée était quand même assez loin. Enfin, il y avait plusieurs minutes d'écart. C'est monté à 8 minutes, je crois, l'écart.
Donc bah, c'était trop tard pour ressortir, t'allais rien faire et voilà, c'était joué. Je pense qu'aujourd'hui, par contre, on va avoir cette échappée qu'on n'a pas eue hier avec les coureurs qui jouent les poids parce qu'en plus, on a Pogacar qui s'est rapproché. Est-ce qu'il y aura Quintana dedans? Je vois PQP qui me dit Quintana est out pour le maillot à poids, je pense. Il y a l'envie, mais pas les jambes. Quasi sûr qu'il y sera. Après, le problème, entre guillemets, de Quintana, c'est qu'il n'est pas. Il n'est pas verni chez RK, ils sont plus que 3. Donc il n'a pas beaucoup d'équipiers pour l'aider. C'est la banqueroute là. Donc voilà, il va falloir vraiment prendre la bonne échappée. Il ne va pas y avoir 1000 cartouches à donner. Mais bon, il ne va pas être tout seul. Woods aussi va vouloir y aller, Pouls aussi. Ouais. Surtout qu'hier, Pogacar en gagnant, il a fait un beau rapproché au classement de la montagne. Donc ces garçons-là, s'ils veulent le maillot à poids, ils savent qu'il va falloir aller prendre les points quasi. Enfin, c'est même obligatoire au sommet du Tourmalet. Là, ce que je vois Doudou qui nous disait tout à l'heure, Pogacar ne va pas encore faire le triplé quand même. Maillot jaune, meilleur jeune et maillot à poids. Bah, pourquoi pas le maillot à poids en tout cas. Hein. Attention, hein, avec les points doublés hier. Ouais, et surtout, il y a encore l'arrivée à l'Uzardilène aujourd'hui où Pogacar peut reprendre des points. Donc, disons qu'il va falloir, que quelqu'un prenne des points au Tourmalet et peut-être même reprenne quelques points encore à l'Uzardilène. Donc, ça va pas être facile. D'accord avec Dustman, peut-être qu'il nous dit c'est justement celui qui passera en tête au Tourmalet ramènera le maillot à poids à Paris. Bah, ça dépend si Pogacar reclaque. On rappelle hors catégorie le Tourmalet. Ouais, mais l'Uzardilène aussi. Donc, c'est possible. Mais ça ne va pas être évident. Disons que si Pogacar passe placé au Tourmalet et placé de nouveau à l'Uzardilène, voire gagne à l'Uzardilène, c'est pour Pogacar. Donc il y a quelqu'un qui dit c'est Pogacar qui décide là. Je suis un petit peu d'accord. Ça dépend. C'est lui le patron. Hein. Voilà. C'est qui le patron? C'est Pogacar. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux qui jouent le maillot à poids, enfin les 3-4 qu'on a cités, on peut peut-être ajouter Van Aert, même si je ne suis pas sûr qu'on le voit devant aujourd'hui. Ouais, ça va être un peu compliqué. Voilà, mais Pouls, Woods et Quintana, à mon avis, c'est sûr, ils sont devant. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont tenter d'y aller. Et s'ils ne sont pas devant, c'est un gros échec. Peut-être Pouls, mon favori du coup, pour ce maillot à poids, sauf si Pogacar décide finalement de tout rafler. C'est ça. Après Pogacar, l'année dernière, il l'avait pris un peu sans faire exprès. Et là, aujourd'hui, ça pourrait presque être le cas aussi, parce qu'à l'Uzardilène, il ne va pas s'empêcher de gagner. Mais s'il gagne, ce n'est pas pour aller chercher le maillot à poids, c'est pour aller chercher une victoire. Yes. Et le maillot à poids viendra en conséquence. Des gagnants hier sur cette étape. Alors, c'était que des petites cotes, bien entendu. Les cotes podium de Vingegaard et de Carapaz, c'était du 2,5, du 3. Hein. Forcément, ils faisaient partie des favoris, les deux rivaux de Pogacar. La victoire de Pogacar, on en avait parlé, 3,50. Vous l'avez peut-être prise. C'est vrai qu'on avait conseillé de dire peut-être cliquer sur cette cote à 3,50. À côté, il y avait la cote boostée, un Colombien qui gagne l'étape pour compléter. Voilà, finalement, on s'était pas trop trompé là-dessus. Il fallait prendre Pogacar et à côté, peut-être des grosses cotes. C'est ça. La cote colombien, malheureusement, ça dépendait de l'échappée et on n'a pas eu l'échappée qu'on souhaitait. On a vu Max Pastor qui a remporté un beau pactole grâce à cette victoire de Pogacar. On va regarder les cotes du jour tout de suite. Ça se passe dans Ancel. Ah, je t'ai pris de court, Alex, là. Hein. On enchaîne. Si on enchaîne, c'est le Tour de France. On enchaîne les étapes, forcément. On va parler de Gaudu. Ça permettra de faire la transition, justement, entre ce qui s'est passé hier et peut-être aujourd'hui, le Français David Gaudu, qui, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Robin, a été impressionnant. Hier, il a rivalisé, j'ai envie de dire, avec justement les trois favoris du général, le podium, qui d'ailleurs c'était le podium du général, hein, qu'on a vu partir à la fin dans le portrait. Gaudu, qui a fini à seulement 1 minute 19. De ces trois-là, il était tout seul, il a fait son petit truc. D'ailleurs, belle prestation de O'Connor aussi, on n'en a pas parlé, qui a terminé 5e, qui a fait une très belle ascension. David Gaudu, on rappelle qu'il était malade quand même, il vomissait il y a quelques jours, David. Retour, ouais. Et là, il se retrouve finalement à finir en beauté, à pourquoi pas imaginer une victoire d'étape aujourd'hui. On sait qu'il aime les Pyrénées, on l'a vu hier, il a voulu monter à son rythme dans le col du Portet parce qu'il savait que c'était haut en altitude et qu'il n'avait pas envie de se faire péter la caisse. Mais finalement, c'est une bonne journée pour lui parce qu'il s'est énormément rassuré. Il termine juste derrière, voilà, juste derrière les gros favoris. Et il en reste une aujourd'hui. Hier, il n'est pas allé dans une échappée. Donc, il n'a pas finalement gaspillé plus d'énergie que les autres. Il a fait la même étape que Pogacar. Il a fait son ascension à son rythme, finalement. Et il ne s'est pas cramé davantage que les autres. Donc aujourd'hui, je pense qu'il aura les jambes, soit pour aller dans une échappée, soit pour anticiper dans la montée finale, soit pour jouer même à jeu égal avec les favoris, puisqu'il ne reste plus que l'étape du jour. Donc à la limite, si tu dois péter aujourd'hui, ce n'est pas grave. Hein. Après, il n'y a plus rien. Voilà, il a dit vraiment que pour lui, le tour était quasiment fini. Ou c'est son entraîneur plutôt, David Han, qui a dit que son tour était quasiment fini à l'Uzardiden. Entre guillemets, ce n'est pas très grave, le général.
il y aura peut-être pas top 10, mais le chrono, c'est vraiment secondaire. Non, non, mais il l'a dit, il l'a dit. Attention, il a dit, moi, je joue la victoire d'étape, clairement. Limite, le général, je m'en c'est fous. Ça. Quoi, quitte, c'est ça, quitte à se mettre minable aujourd'hui et à faire 13e du général parce qu'il prendra un éclat sur le chrono, c'est pas grave. Le Tourmalet, c'est le premier col qu'il a monté quand il était gamin. Ça le tient à cœur. C'est là aussi où il avait fait un énorme boulot pour Thibaut Pinot en 2019 quand Pinot gagne au sommet. Donc voilà, c'est une étape qui le tient vraiment. On le voit, le profil justement de cette étape, Robin, pour Gaudu, est-ce que ça s'y prête également? Je vois plusieurs commentaires, genre Akroma, qu'on va afficher, qui nous dit qu'il ne gagnera pas s'il part en échappée. Quel genre de scénario on peut avoir pour David Gaudu? Vu les jambes qu'il a, je suis un peu d'accord. Partir en échappée, ça me paraît pas... En fait, le problème, si tu pars en échappée, c'est que tu n'es pas maître de ton destin. Quoi. Ça dépend de comment le peloton va réagir et s'il te laisse de la marge ou non. Alors, on pourrait se dire que Pogacar a gagné hier et que... et qui va pas faire le boulot aujourd'hui, mais c'est quand même risqué. Il doit rester dans ce groupe Pogacar, Vingegaard, Carapaz, être attentif un petit peu. En fait, attends. Moi, je me rappelle de la victoire de Warren Barguil à l'Izoard en 2017, où il avait attaqué au début du col d'Izoard, alors qu'il était encore avec les favoris. Et justement, comme il n'était pas dangereux au général, on l'avait laissé faire. Il se trouve que, en termes de grimpeur pur et en termes de forme, à ce moment-là, il était aussi fort, voire plus fort que certains des favoris. Et donc, il était resté en tête jusqu'en haut et il avait été gagné au col d'Izoard. Je pense que Gaudu doit la jouer à peu près similaire dans l'Usard d'Idène, c'est-à-dire tenter, pourquoi pas, de partir dans le tout début de l'Usard d'Idène. Et de miser sur le fait que quand Gaudu va attaquer, c'est pas Pogacar qui va aller le chercher. Il n'est pas dangereux pour le général. Et même personne, entre guillemets, ne va aller chercher Gaudu. Les favoris vont se concentrer entre eux. Carapaz, Vingegaard, ils ont un podium à jouer. Il faut qu'ils mettent Uran assez loin au général pour être serein en vue du chrono, surtout pour Carapaz. Donc je pense que la meilleure façon de jouer le coup pour Gaudu, c'est ça. Ou alors partir dans la fin du Tourmalet. Ouais. Ça peut être aussi une option. Et entamer l'Usard d'Idène avec, je sais pas, une minute d'avance peut-être. Ça peut largement suffire quand tu vois l'ascension qu'il fait hier au col du Portet. S'il a une minute d'avance au pied du Tourmalet, au pied de l'Usard d'Idène, pardon, je suis pas sûr qu'on le revoie. Il va tout donner, nous dit Meringue. On a fait une code boostée justement sur David Gaudu. Hein, c'est ce que tu voulais qu'on propose aujourd'hui. On en a discuté comme d'habitude. En amont, on prépare quand même cette émission. Il faut bien qu'on soit payé quelque chose. On va pas se mentir. La cote à 8, c'est la cote de la victoire. On a créé une cote, on a boosté une cote plutôt. Cote à 5, c'est pour un podium de David Gaudu. On l'a vu, il a fini 4e hier et il a presque rivalisé avec les tout meilleurs. Pourquoi pas aujourd'hui? Il a du feu dans les pattes, David Gaudu. Cote à 5 pour un podium du Français au lieu de 3,25 pour finir ce tour en beauté. Moi, j'y crois. C'est peut-être mieux, on va pas se mentir, vu qu'on a boosté que la cote de la victoire, en tout cas. Ouais, la victoire, c'est optimiste. Peut-être qu'il faut mettre une pièce sur les deux cotes, un peu plus sur le podium que sur la victoire, et puis mettre malgré tout une petite pièce sur la victoire pour vibrer. Mais disons que le podium, on l'a vu déjà, il était très très proche hier. Donc il suffit qu'un Carapaz soit moins bien ou un Vingegaard soit moins bien et Gaudu il monte sur le podium. Ou peut-être que hier voilà, il a pas osé parce qu'il y avait de l'altitude et qu'il restait une grosse étape le lendemain, il a pas osé suivre les attaques au moment où c'est sorti, mais aujourd'hui il le fera parce qu'aujourd'hui il n'a plus rien à perdre, il n'y a pas d'étape demain. Enfin c'est une étape de sprint pour lui, ça n'a aucun intérêt. Donc aujourd'hui il va tout donner. Il a dit qu'il lui restait un peu d'énergie, c'est là il donne tout, il finit l'étape, il aura plus rien. Donc s'ils partent les gros favoris, lui il veut l'étape, il ira avec eux, quitte à se faire sauter la caisse 3 km plus tard, voilà. Mais il ira. Et ça, vous êtes d'accord? Je vois Meringue qui parle justement de ce qu'a pu dire Marc Madiot, mais voilà, c'est l'objectif, on a compris, de David Gaudu, de finir ce tour en beauté, quitte à se faire sauter la caisse, pour reprendre tes termes, Robin, il va tout donner, donc pourquoi pas une victoire cote à 8, ou la cote boostée, un podium de David Gaudu, très belle cote, cote à 5 au lieu de 3,25, c'est une énorme cote. Il y a Meringue qui met une citation, c'est justement son entraîneur dont je parlais tout à l'heure, et qui raconte, qui lui a dit qu'il avait encore de l'énergie, il dit « j'ai encore du kérosène ». Ouais, donc, je vais l'afficher, tac, c'est ça, voilà. J'ai encore du kérosène, alors on va continuer à tout mettre en œuvre pour l'aider à en gagner une, et il ne reste plus qu'une possibilité. Hein. Il faut être optimiste, de toute façon, pour lui, le tour sera fini à l'Usard d'Idène, donc ça confirme ce qu'on disait, c'est la dernière journée de David Gaudu à fond sur le tour. Pour lui, il n'y a pas 21 étapes, il y en a 18 cette année sur le tour, donc voilà. Cote à 8 pour la victoire, cote boostée à 5 pour le podium, si vous êtes un peu plus conservateur, on va dire. C'est vrai que je vais aller sur la cote podium. Non mais je vois des commentaires, et je suis assez d'accord avec eux, quitte à prendre le podium, autant le prendre à la victoire.
Après, bon, il y a peu de différence entre les deux cotes avec le boost. C'est pour ça aussi que c'est intéressant peut-être de prendre cette cote boostée au cas où, voilà, si ça se trouve, il finira troisième. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a Pogacar. Et même s'il arrive, admettons qu'il arrive à suivre les favoris et à faire le sprint avec eux, il faudra encore aller battre Pogacar. Donc c'est pour ça que la cote de la victoire, c'est encore autre chose. Alors justement, on parle de David Gaudu. Qui, pour cette dernière danse, cette dernière étape de montagne, cette dernière dose? On est tous drogués par le Tour de France. Voilà, c'est vrai qu'on est toujours triste un peu quand il n'y a plus de montagne. On rappelle, hein, il restera trois étapes derrière. Une étape de sprint demain du côté de Libourne, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura un contre-la-montre samedi, ouais, surtout. Et puis l'étape finale, le classique, Champs-Élysées. Voilà, après, on s'est tapé le concert du 14 juillet hier, la musique classique. Ce sera un meilleur spectacle peut-être avec un sprint remporté par Cavendish. On aura le temps d'en reparler. Exactement. De ce sprint. On aura le temps, on sera encore ensemble. Qui du coup, pour cette dernière danse, Robin, aujourd'hui, on va afficher les cotes, les deux favoris, David Gaudu est troisième favori, sont Pogacar et Vingegaard. Pogacar qui est retombé à 3,50. Ouais, c'est la même chose qu'hier. Eh ouais. En fait, là, ce qui est dur, c'est que si tu me parles des jambes, je te dis que c'est Pogacar. Mais là, il faut réussir à lire. Les jambes, on ne sait pas. C'est quand même plus compliqué que ça, non? Moi, je pense que Pogacar, il est encore au-dessus des autres et que s'il veut cette étape, il l'aura. Voilà, entre guillemets. Mais est-ce qu'il en a vraiment envie, là? C'est ça, le problème. Et la lecture, elle est difficile à cause de ça. Parce qu'hier, on savait qu'il en avait envie. Parce qu'il voulait gagner l'étape une des de deux. Montagne. Si ça n'aurait pas été hier, on serait dit aujourd'hui, Pogacar, on y va. Exactement. Sauf qu'aujourd'hui, t'as un doute sur est-ce qu'il va le jouer à fond? Est-ce qu'il va vraiment vouloir aller chercher l'étape? Est-ce que s'il y a un Gaudu ou un autre devant, il va s'embêter à rouler pour réduire l'écart? Est-ce qu'il va attaquer même? Est-ce qu'il va laisser la victoire à Vingegaard parce que Vingegaard aura roulé tout le long de l'ascension peut-être pour décrocher Uran ou peut-être même Carapaz et à la fin, Pogacar décidera en seigneur, en maillot jaune, de lui laisser l'étape. Imagine, t'as mis sur Pogacar et il laisse la victoire à Vingegaard. Donc c'est pour ça que la lecture, elle est très très difficile. Parce qu'il faudrait être dans la tête de Pogacar pour savoir ce qu'il a envie de faire, en fait. S'il a envie de gagner, moi, je mets Pogacar. Mais c'est pour ça que la victoire Pogacar, surtout à 3,50... Moi, j'y retourne. Autant j'y allais hier à 3,50, là, j'y retourne pas, là, je te le dis. J'ai un petit à 3,50, j'y retourne c'est pas. C'est ça, c'est ça. Alors, en fait, le podium Pogacar est quasiment assuré, mais la cote est pas assez haute pour que ce soit vraiment intéressant. On peut aller chercher, mais c'est vrai que ça va être du gain petit. Hein. Voilà, on est sur une cote à 1,60. Ouais, voilà. Est-ce qu'en vélo, on a vraiment envie de miser sur une cote à 1,60? Non, clairement pas. Je pense qu'il y en a un qui a encore envie très fortement d'une victoire d'étape, c'est Richard Carapaz. On l'a vu hier. Oui. Il aurait pu rouler pour distancer Uran et se joindre à Vingegaard. Finalement, il aurait fait encore une meilleure affaire au classement général. Il a décidé de ne pas rouler parce qu'il voulait seulement l'étape. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller chercher l'étape, d'où cette attaque qu'il a placée dans le dernier kilomètre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la même chose parce qu'un podium pour Ineos au classement général, c'est pas que ça vaut rien, mais ils en ont tellement, et ils ont surtout tellement de victoires avec Wiggins, Froome, Thomas, Bernal, qu'un podium, honnêtement, ça va pas leur changer la vie. Donc pour avoir un Tour de France vraiment réussi, il faut une victoire d'étape, entre guillemets réussi. Et Carapaz, il a jamais gagné sur le Tour. Donc je pense que ce qu'il titille un peu Carapaz aujourd'hui, c'est la victoire d'étape. Est-ce que justement, quand on voit ce classement général, il y a d'autres coureurs que Carapaz qui peuvent envisager une victoire d'étape dans le top 10 là? Non, au-delà du trio de tête, à mon avis, aucun. Au-delà du ils n'ont pas les jambes, déjà. Je vois Lutsenko, notamment, qui était assez vite décroché hier. Guillaume Lutsenko Martin. Aura du mal. Guillaume Martin, même Bilbao, c'était compliqué. Celui qui a fait la meilleure ascension dans ce lot, c'est Ben O'Connor. O'Connor ou Bilbao. Bilbao fait aussi une belle ascension, mais je ne le vois pas sortir. Alors, OK, il est basque, il est dans les Pyrénées, ça va peut-être lui faire plaisir, mais je ne le vois pas sortir dans le final, comme ça. En plus, dans le chat, il y en a pas mal qui en parlent. On ne l'a pas évoqué, mais Bahreïn, c'est Eurosport qui a révélé ça ce matin. Il y a eu une perquisition à l'hôtel des Bahreïn. Oui, ça en parle dans le chat. Dans la nuit. Donc, pour un Bilbao, pour un Puls, peut-être que ça va un peu... Ça les a un petit peu déstabilisés. Il y a quelqu'un qui disait, en tout cas, ils ont mal dormi. C'est vrai qu'ils ont pu un peu être déstabilisés cette nuit. Oui. Alors, on ne sait rien du tout de ce qui s'est passé. Il n'y a encore rien qui est sorti sur pourquoi, comment et qu'est-ce qui aurait été potentiellement trouvé ou pas. On sait juste qu'il y a eu quelque chose à leur hôtel. Pour l'instant, il n'y a pas de soupçons spécifiques à avoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont été un peu dérangés, quoi. Est-ce qu'on a envie de jouer sur des Bahreïn compliqué, hein. On sait que c'est réglé comme du papier à musique. En plus, les routines des coureurs,
C'est genre, hop, 20 minutes, il mange la cryo, le machin, le truc, ouais. On va se coucher. Enfin, et puis, le moindre sommeil dérangé ou quoi, ça, à mon avis, c'est quand même compliqué. Et puis, entre deux énormes étapes comme ça, c'est pas le jour pour être réveillé en pleine nuit. Alors, je sais pas si les coureurs ont vraiment été réveillés, hein, mais si c'est le cas, c'était pas le jour pour que ça arrive. Bon, on n'a pas trop envie de jouer un Bahreïn aujourd'hui. Ça parle beaucoup d'échappées possibles avec des grimpeurs. Est-ce qu'on peut avoir un autre scénario que les favoris à la victoire finale pour cette dernière danse? Dans l'idée des purs grimpeurs qui partiraient pour aller faire notamment le grimpeur au sommet du Tourmalet, s'ils prennent assez d'avance, si Pogacar, comme tu disais tout à l'heure, n'est pas aussi motivé qu'hier pour aller gagner et donc ne fait pas rouler son équipe autant, peut-être qu'ils pourront prendre une avance suffisante pour se jouer la gagne. Et si tu as des gars comme Quintana, comme Woods, comme Pouls, qu'on a vu en forme et bon grimpeur, s'ils entament l'Uzard Illène avec 2-3 minutes d'avance, il faudra quand même aller les chercher. Est-ce qu'on a envie de jouer justement, tenter des grosses cotes? Y a-t-il des grosses cotes qui, parmi les coureurs que tu as cités, qui te viendraient à l'esprit? Moi, j'ai envie de jouer Quintana encore. Ça n'a pas fonctionné hier. Plus fort, c'est Quintana. Ouais, j'y crois encore. Ah ouais, le chat ne t'écoutera pas sur Quintana. Quintana, on arrête. Hein. Je pense qu'il faut attendre de voir le live pour prendre ces cotes-là. Enfin, c'est ce que je ferai en tout cas. Voir l'échappée qui se compose. Si c'est une échappée comme hier avec des coureurs qui ne sont pas des excellents grimpeurs, ça veut dire que l'échappée n'ira pas au bout. Par contre, si c'est une échappée qui se forme avec vraiment des spécialistes de la montagne, j'ai envie de dire, il y en a dans le chat qui disaient Chavez, ça peut être aussi Woods. Si c'est des coureurs dans ce genre-là, ça devient beaucoup plus intéressant et beaucoup plus probable que l'échappée aille au bout. On va afficher les cotes de Chavez et Woods, c'est du même acabit que Quintana, c'est-à-dire 35 exactement, tout le monde a 35, elle est tarif de groupe. Ouais, exactement. Côté c'est, à 35. C'est les mecs quand même qu'on attend aujourd'hui dans l'échappée. Hein. Chavez, il fait partie de l'équipe Bike Exchange qui n'a rien fait sur ce Tour de France, disons-le clairement. D'ailleurs, j'avais oublié l'existence de cette équipe. Matthews se bat un peu pour le maillot vert, mais finalement, il va sûrement pas l'avoir, hein, puisque ça se passe bien pour l'instant pour Cavendish, j'en sais plus rien. On n'arrive pas à le lâcher. Hein. Donc pour le moment, pour Bike Exchange, c'est un tour compliqué. Ça veut dire que le moyen de te sauver, c'est soit d'envoyer Chavez dans l'échappée aujourd'hui et de gagner à l'Uzard Illène, soit de gagner l'un des deux derniers sprints avec Matthews. Quoi. Et tiens, un petit commentaire de Duffman qui nous dit « Il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas gagné d'étape. » C'est vrai que ça peut être intéressant aussi de cliquer en fonction de ça. Oui, tout à fait. T'as justement Bike Exchange qui a Chavez, t'as Arkea qui a Quintana, t'as Astana, si je ne dis pas de bêtises, qui a aussi quelques grimpeurs. Alors, Fuglsang, par exemple, on ne l'a pas vu du tour, mais sait-on jamais. Il y a aussi les coureurs espagnols d'Astana, même s'ils grimpent un peu moins bien. T'as Movistar, mais Movistar, ils sont autour d'Henrik Maas. Mais malgré tout, on a encore le souvenir de Lopez. On se dit pourquoi pas si Lopez il veut partir devant ou même à Valverde. Donc, oui, il y a beaucoup d'équipes qui. Il y en a qui n'ont pas gagné parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire, mais il y en a quand même qui n'ont pas gagné et qui peuvent être très déçus de ne pas avoir gagné, qui donc ont tout intérêt à mettre des coureurs devant. On rappelle le favori, on l'affiche, Tadej Pogacar, même cote qu'hier, 3,50 pour une victoire du Slovène. Est-ce qu'il va avoir envie de tout raser, de montrer vraiment... Ça peut être tentant quand même de faire le doublé. Hein. Voilà, le cigare dans la bouche, le pied sur la nuque de Vingegaard et Carapaz, je ne suis pas sûr. Voilà. Est-ce qu'il va être comme ça, Pogacar? Moi, je n'y crois pas. Moi, je ne le vois pas gagner. On l'a vu, mais bon, voilà. Moi, je vais pousser derrière Gaudu. Ça c'est sûr qu'on va pousser derrière Gaudu. Mais t'imagines si Pogacar arrive dans le groupe de tête en haut parce que le scénario de course fait que, est-ce qu'il va avoir envie de laisser la victoire aux autres ou est-ce qu'il va avoir envie de se dire, attends, je peux faire le doublé Col du Portel, l'Uzard Illène, 2 victoires au sommet, 3 victoires d'étape sur ce tour. Ouais. Comme ça, demain, on fera un petit liner. Pogacar est-il un bel enculé de ne pas avoir laissé la victoire. mais on imagine des scénarios. Bref, 3,50 pour le Slovène. Et puis, on rappelle la cote boostée. Une dernière fois, vous avez jusqu'à 13h30. Ça commence assez tard, là, je crois. Cette étape, 13h30. Il y a un peu de marge, Il y a un peu de marge. On a le temps. On va la laisser en ligne jusqu'à 13h30 pour ceux qui nous regardent en léger différé. Cote à 5 pour un podium de cette 18e étape de David Gaudu. On a fait le tour des cotes. Je pense. Ouais. Voilà. Dites-nous votre pronostic. Je vois, on va afficher celui de Bédave. Donne-nous ton podium prévisionnel, Robin, pour cette étape. Allez, on va s'amuser à jouer à ça. Je vais dire Pogacar, Gaudu, Vingegaard. Pogacar, Gaudu, Vingegaard. Faudrait calculer la cote quand même. Ce podium dans l'ordre. Tiens, Bédave, nous a mis quoi, Vingegaard, Pogacar, Gaudu. Voilà, ça marche aussi. En vrai, on a quand même les trois favoris du classement général. Vingegaard, Pogacar, Carapaz plus Gaudu qui ont été clairement les quatre plus forts hier sur la montée finale. Du coup, c'est logique de penser à eux aujourd'hui. Oui, réponse en fin d'après-midi pour cette 18e étape. Il nous reste quelques minutes. On va s'intéresser au jeu d'entraîneur. C'est dans le maillot jaune.
Le concours quotidien sur le JDE. Le JDE, c'est quoi? C'est quand même, ça ne change pas, hein. On se répète tous les jours, j'ai l'impression d'être un vendeur à Intermarché. Ils sont beaux, mes poissons, ils sont frais. Non, plus sérieusement, le JDE Fantasy League de Winamax, football, NBA et Tour de France aussi. On compose une équipe avec un budget virtuel. On prend 5 coureurs tous les jours avant chaque étape. Et on espère faire mieux que ses petits copains, tout simplement comme un tournoi de poker. Celui qui arrive en tête gagne plus que le deuxième, que le troisième, etc., etc. Et ainsi de suite. On va regarder ce qui s'est passé hier. Tu affrontes toujours Florian Flo-Flo. On va découvrir ton score hier. Tu as fait un très beau score, Robin. 380 points. Ouais, on avait parlé des trois gros favoris et voilà, ils ont répondu présent. Ils font 1, 2, 3, donc forcément, j'ai mis des points. Eh oui, il fallait les mettre. Mais je ne suis pas tout seul à les avoir mis. Et après, voilà, ça se jouait sur les deux autres pour compléter. On se rappelle que j'avais une stratégie différente de Flo-Flo. La mienne, ça avait été de mettre des coureurs qui potentiellement jouaient le général et donc allaient finir entre la 10 et la 15e place sur cette étape, parce que je prédestinais cette étape au classement général et pas à une échappée. Ça a marché, entre guillemets, puisque Mentiès va faire une place d'honneur, je crois qu'il fait autour de 15e, et il marque 8 points, sauf que Flo-Flo avait fait un meilleur choix. Et oui, comme le dit tout le monde avait le top 3, nous dit Duffman, c'est pas faux, hein. C'est vrai qu'on était tous tentés de mettre ce top 3. Dans le JDE, on va découvrir justement le score de Florian, qui a marqué 3 points de plus, ça fait la différence grâce à Pulse, Wood Pulse, on en avait parlé, ouais. C'est ce qui a fait la différence, sans exactement. Surprise. Moi, j'ai mis un coureur qui allait faire une place à l'arrivée et Flo-Flo, il a mis un coureur qui allait aller prendre des points durant l'étape en allant jouer le classement de la montagne. À ce jeu-là, c'est les 4 points de Pulse au classement de la montagne ont valu plus que la place d'honneur de Mentiès à l'arrivée au col du Portet. Donc voilà, bravo Flo-Flo. Allez, la revanche pour la dernière étape de montagne. J'ai changé de stratégie pour t'as changé de strat, on va voir si ça portera ses fruits. Dernière étape de montagne. Arrivé à Luzardiden pour Robin, tu nous as mis. T'as pas mis du Godu? Non, j'ai pas mis Godu. Oh bah alors? J'ai pas mis Godu. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'en fait, je vais mettre un peu de sous sur la cote boostée. Et du coup, je me suis dit, comme ça, si Godu marche, je suis content pour la cote boostée. Je vois la stratégie. Et si ça marche pas, je serais bien au JDE. Voilà, la stratégie sur tous les fronts. Exactement. On dirait un supporter de l'Olympique de Marseille. Non, du coup, j'ai repris le trio de tête parce qu'ils étaient quand même grave au-dessus en montagne hier. Et je pense que le seul qui peut venir les embêter, c'est Godu, mais c'est pas non plus une certitude. Et j'ai fait la stratégie de Flo-Flo, c'est-à-dire que j'ai complété avec Nairo Quintana, ouais. Qui va forcément aller dans l'échappée et prendre des points. J'espère qu'il passera en tête au sommet du Tourmalet. Et ensuite, j'ai complété avec Hollenstein, qui ne fera rien du tout, mais comme Herviti hier dans l'équipe de Flo-Flo, ouais. Ça n'empêche pas forcément de gagner. Si j'étais mauvais angle, je dirais que t'as pas trop envie de gagner en mettant Quintana. Voilà. mais ça, c'est si j'étais mauvais angle. On va découvrir l'équipe de Florian. Qui va sans doute encore franchir un palier, là, j'ai l'impression. Peut-être. Ouh. On ne sait pas. Il nous a mis Pogacar, Vingegaard et Godu, pour le coup. Ouais, il a mis Godu. Alors, ça se tient complètement. Ensuite, il a mis Pulse dans la même stratégie que j'ai mis Quintana. Donc, on verra qui passe en tête au sommet du Tourmalet, parce que ça va surtout se jouer là-dessus. Et Cataneo, très, très bien vu. Je n'avais pas pensé. Je n'avais pas vu qu'il était si peu cher, Cataneo, parce qu'il joue le classement général. Et voilà, tu n'as pas bien bossé. Tu n'as pas étudié ton JDE. Non, mais ce n'est pas dit qu'il gagne. Hein. Là, je crois au fait que Quintana passe devant Pulse au sommet du Tourmalet et marque les gros points. Donc, je vois que dans le chat, on félicite déjà Flo-Flo. Aïe, c'est pas bon. J'étais pas loin hier et ça m'était arrivé déjà avec Créchot qui était chaud bouillant au début de tour. Et du coup, la première journée, je m'étais rapproché proche et la deuxième journée, j'avais gagné. Et oui, toi, t'as mis Carapace en plus. Là, j'ai mis Carapace. Ah ouais, c'est peut-être ça qui va faire la différence, on l'oublie un peu. Exactement. Richard, Carapace, il va sortir justement de sa Carapace et peut-être marquer les points qu'il te faut, on verra. Suspense, réponse demain, dernière étape de montagne, ça promet sur ce JDE. On vous rappelle, hein, vous pouvez vous inscrire ou modifier votre équipe jusqu'au départ de l'étape, à savoir 13h30. N'hésitez pas à tester, voilà, c'est 2 euros le premier droit d'entrée, 2 euros, 10 euros ou 50 euros. Bon, il n'y a pas grand monde sur le 50 euros, je ne sais même pas s'il existe encore, je ne vais pas te mentir. C'est vrai? Si. Moi, je joue 2 euros. Non, mais il faut jouer le 2 euros. je vous conseille plutôt, si vous voulez jouer, de jouer le 2 euros. Ça ne coûte pas cher, ça permet de s'amuser. Si vous pouvez faire plusieurs équipes en plus, ouais. C'est sympa et il y a beaucoup à gagner. Donc voilà, c'est mieux quand même de jouer celui-là, mais il y a aussi le 10 euros, pourquoi pas, pour les plus grosses bourses. Je parle d'argent, bien entendu. On récapitule, code boosté. Code boosté, David Godu, c'est la cote à prendre pour cette étape, 18e étape, cote à 5 au lieu de 3,25. On a le temps de se poser, d'aller manger, 13h30, on rappelle, le début d'étape. Merci Romain. Merci à toi, et on va surveiller Godu. Hein.
On va surveiller Quintana aussi. Bon, le J2. Merci à vous dans le chat. Très bonne étape. Vous avez toutes les clés pour bien miser sur cette étape. Faites votre choix désormais. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker l'émission. Ça nous fait plaisir à chaque fois. Un petit pouce. Abonnez-vous avec la cloche sur YouTube pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Merci beaucoup. On se retrouve demain, 11h15, pour un débrief et pour la suite et la fin de ce Tour de France. D'ici là, bonne journée.